Voilà, il y a quelque chose qui a encore été aspiré dans le conduit. Quoi d'autre dans le coin? Rien, ok. Ah, mais... Wow. Alors, il y en a un qui est rentré tout à l'heure, là, non? Ah, c'est lui qui gueulait, alors? Oh, putain! Donne-moi un truc! Ah, c'est eux qui gueulent. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, à mon avis, il peut m'attaquer, je pense. Parce qu'il y a des genres de tentacules, là. Il y a des genres de tentacules et je suis sûr qu'il peut m'attaquer avec. Passé, je me suis fait niquer la gueule dans la porte, je sais pas comment. Je pensais en être suffisamment loin, mais non, on dirait pas. Faire gaffe avec les nécromorphes parce qu'il y en a qui font semblant d'être morts. Sauvegarde. Ouais.
Alors ça, c'était pas un passage dans la démo, ça. Moi, il me semble bien que c'était un passage dans la démo. Un passage que je vais pas aimer du tout. Pas... pas du tout. Oh non, je vais pas aimer. C'est ces trucs là, là, ça envoie des... dès qu'on leur tire dans le corps, en fait, ils se percent et ils envoient tout un tas de merdiers. Ah, sur ce coup-là, je vais utiliser le trancheur, je crois. Alors, si j'utilise pas le trancheur, je vais utiliser le cutter, je pense, plus que jamais. Cutter, j'ai dit, mec. C'est bon, je suis à fond. Ah. Hein, sérieux? Qu'est-ce qui se passe encore? Putain. Pff, ah là là. Ah, c'est vrai que j'ai le découpeur, je l'avais oublié celui-là. Bon, au pire, je repasserai les prendre. Hein. J'ai quoi sur la carte? Est-ce que j'ai un plan ou... non, rien du tout. Ah ouais, non, j'ai rien. Et puis le seul magasin, il est loin derrière. Bon, bah, tant pis, écoutez, on va pas... C'est quoi que je peux pas récupérer là? Deux lames de découpeur. Ouf. Si je l'utilise, je vais bien pouvoir récupérer des munitions. Ah d'accord, là j'envoie carrément la lame. Ok, autant pour moi. Tête. Ok. Je m'étonne plus de rien. Hein. Enfin, si, je m'étonne toujours de plein de trucs, mais disons qu'il y a des choses qui sont devenues. Qui sont devenues monnaie courante. Ah, bien sûr, je peux pas les prendre. Et celle-là non plus, super bon. Ok. Alors, il faudra que j'aille me foutre dans un coin. Là ça va être hardcore, là ça va être hardcore. Initialisé. Veuillez patienter. Trancheur! Deux pour le prix d'un! Hi-ha, c'est la fête! Mesdames et messieurs, venez assister à la foire aux monstres! Eh ben dans la démo, c'était plus flippant que ça en fait. Que je suis à fond.
je vais essayer de ramasser deux ou trois objets. Alors, c'était où les objets là? C'était là-haut? Ou dedans même, je crois. Ça doit être par là. Non, c'est des découpeurs. Hop. Ah, il y avait un autre truc en bas là, c'était des découpeurs aussi, je crois. Ouais, c'est du découpeur, bon. Bah je sais pas ce qu'il faut faire là maintenant, c'est bon là? Ah non, faut que je retourne à la console. En trancheur, j'ai plus de balles de trancheur, donc on va retourner au cutter ou au découpeur, on va essayer de... Tiens, on va se marrer au découpeur, ça pourrait être sympa. Allumage moteur. En fait, je crois que c'était la démo, ça, ouais. Je me souviens avoir flippé ma race. Ça marche. Je crois que c'est reparti pour de bon. Enfin une bonne nouvelle. Rejoignez la passerelle, Isaac. Pendant ce temps, je vais remettre le vaisseau en orbite. Vite, attends, c'est pas encore fini. Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus. Et ça tombe mal. On s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète. Si on répare pas ça, on va être réduit à morceaux. Bon Dieu! Je vais voir ce que je peux faire. Isaac, venez sur la passerelle. Vous pourrez certainement m'aider ici. Eh ben, il se passe plein de trucs dans ce... Dans ce Dead Space, il y a toujours un truc qui va pas. J'étais déjà venu là ou... Oui, bah oui. Bah non, mais je suis où là en fait, je sais pas trop où... Où suis-je? Dans quelle étagère? Ah non, d'accord, ah ok oui, je reviens par une porte qui était fermée en fait. Bon, c'est un long couloir, il ne devrait rien... se passer d'étrange. Par accessoirement, des nécromorphes qui arrivent par devant et derrière. Isaac? Isaac? Où es-tu? C'est moi, Nicole. Oh oh! Alors, stock. C'est efficace quand même cette merde là, hein. Y a pas à dire. Ouais, j'ai déverrouillé le kit de soins moyens. Je peux découper quoi d'autre? Découper. Ça y est, j'ai le découpeur dans la tête maintenant. Déposer quoi d'autre?
Je peux même revendre des trucs, je pense. Hein. Là, j'ai un taquet de... Vraiment un paquet de soins, hein, putain. C'est vrai que quand on m'avait dit que j'aurais des soins et des munitions, j'en ai, pas de soucis. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Énergie plasma, balle d'assaut. Ouais. Bah pendant qu'on y est, en fait, on va plutôt acheter les points de force, en fait. Hein. Ça, on va bien pouvoir améliorer nos ustensiles, nos instruments de torture. Je sais même plus quand est-ce que je sauvegarde, en fait. Dès que je vois un point de sauvegarde, je sauvegarde. Dès que j'ai sauvegardé, en fait, j'ai déjà oublié que je l'ai fait. Alors maintenant, on va dans... Par là, c'est bien ce qui me semblait. De toute façon, c'est de là qu'est sorti le nécro. Et on va pas tarder à s'arrêter, déjà, dis donc. Waouh. Le temps passe vite. Mais putain, je me suis soigné, merde. Pas ça que je voulais faire. Enfin, quoi que si. J'aurais pu le faire puisque j'étais dans l'orange. De retour dans le tram. Pour un nouveau chapitre, j'imagine. Eh bien, allons-y. Ouais, tant qu'à faire, ça sert pas à grand-chose. Isaac, par ici. Elle a raison. Le système de défense est HS. J'ai besoin de votre aide. Kendra, si vous me recevez, voyez si vous pouvez trouver des rapports. L'accès a l'air meilleur de votre côté. Quand comptiez-vous nous parler de ce vestige, Amund? Ce monolithe? Je ne sais rien du tout à ce sujet. Le capitaine en parle dans ses rapports, ils l'ont ramené de la planète. Sur le vaisseau? On dirait. Ils pensent que c'est extraterrestre, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Vraiment? La compagnie ne sait rien du tout là-dessus. Vous mentez. Dites donc! On a plus important, là. Des ennemis en commun. Alors que vous me croyez ou non, on va devoir coopérer. On est dans le champ de débris. Allez au quartier du capitaine. J'expliquerai tout plus tard. Terminé. D'accord, ok, donc... Je me souviens, si vous vous souvenez, dans la précédente session, j'avais dit... Bah dis donc, le Black, il est vachement confiant, il a peur de rien. Mais en fait, à mon avis... Il sait des choses. Oh. Encore des écritures... mystérieuses. À mon avis, ça m'étonnerait même pas que Amund, en fait, soit là pour ramener le monolithe. Il est envoyé pas pour réparer la mission, mais pour ramener le monolithe à tout prix. Parce qu'à mon avis, les gens de l'extérieur doivent être au courant de ce qui s'est passé sur le vaisseau. Mais ça ne s'ébruite pas.
putain de merde. Ok, je peux acheter les dents trancheurs. Au stock. Je sais jamais combien j'ai de place. Oh, 4. C'est vrai que je peux pas énormément... je peux pas... ramasser beaucoup, beaucoup de choses. Oh là, oui, on est en plein dans le champ de débris, là. Je suis où, là? Ah, je suis là, d'accord. Oh, puis il y a un plan juste là, on dirait. Moi qui soit à l'étage du dessous. Ah non, il est là. C'est moi, il y a du monde. Non, ça y est, l'électricité. Passerelle à l'aide. Le vaisseau est cerné. Je répète, le vaisseau est cerné. Il nous a attaqué. Tous les civils, tous. Ils ont déjà pris tout l'équipage. Besoin de renfort sur le pont immédiatement. Ils sont trop forts, on va pas tenir longtemps. Alors, par là. Il y a beaucoup de munitions là, j'aime pas ça. Il y en a beaucoup trop. Alors, il est où le plan, là? J'ai 5 points de force à dépenser, là. Il est là? Salle de sécurité, non, c'est pas là. C'est pas bon. Tant pis. Donc là, celle de sécurité s'est fermée. L'ascenseur ne fonctionne pas non plus. Et j'imagine qu'il va falloir que je remette le système en route pour pouvoir avoir accès à toutes ces zones. Alors autant quand on était à l'extérieur, la planète était jolie, mais là, la texture est vraiment crade. Ils ont fait un gros zoom sur l'image. C'est pas top. Et puis, ouh là, justement, je manque en jeu quelques minutes. J'allais dire, il est l'heure de nous quitter, mais non, pas encore. Là, j'ai des munitions pour le découpeur, à plus savoir comment faire. On va utiliser un petit peu le découpeur. Surtout qu'il a l'air assez sympa. Ah. Schéma. Tenue niveau 3. Ouh, ça va être bon, ça. Est-ce que j'ai un stock pas loin pour le déposer? Cette carte me fout la gerbe. Thank you.
Je sais même pas où je suis, putain. Si, je suis là. Ouais, bon, allez. On passera. Hop, il est là. Isaac. Oh merde, quelle angoisse, cet endroit me rend nerveux. Les débris ont déjà fait pas mal de dégâts. Bon, Kendra ne me fait pas confiance. Mais je ne sais rien du tout à propos d'un monolithe ou quoi que ce soit. Nous sommes juste venus là pour réparer. Rien de plus. Ce bordel... c'est le système de défense. Je dois pouvoir le réparer, mais l'alimentation principale est touchée. Il va falloir le réactiver manuellement, avec au moins 3 panneaux électriques pour remettre le canon principal en marche. Oh, d'abord, il faut activer les ascenseurs de l'atrium depuis la passerelle. Grâce à eux, vous pourrez atteindre les panneaux. À propos, Isaac, faites gaffe. J'ai vu quelque chose, je sais pas trop quoi. J'ai pas bien vu. Mais c'était gros. Très gros. Ben, je crois qu'on a vu la même chose. Alors, données, journal forage, Dallas A, superviseur. Le nombre de morts augmente parmi eux. Slash circonflexe. Je sais pas, peut-être un nouveau genre de smiley, hein. Avec des deux points derrière. Bon, c'est peut-être en fait un nécromorphe en smiley, qui sait. Arnold Fernandez, D. Achik M Bagwell W Bao A Paris Tyran O, oui ta gueule merci. Briggs R, Cario R, Senkovski K, Chan D, Charlot A, Shikes ou Shikes, Shrakes, je sais pas. C, Colomar B, Kondré M, Deguzman J. Il a dû déguster lui. Désolé pour le jeu de mots. Hein. C'était de la merde. Et ça m'étonnera même pas que ce soit les membres de l'équipe de développement qu'on voit à droite. En photo. Bon bah on remonte. J'ai rien qui va. Ouais bah non. Merde ! Arrière ! Je croyais mort quand je l'ai enfermé. Ces horreurs sont coriaces. Ah oui, c'est celui qui l'avait enfermé, il nous avait dit dans le sas. Bordel de merde! Alors, écoutez, messieurs, dames, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette fois-ci, hein. Ça y est, je viens de piger un peu la technique, c'est tout con, en fait, faut reculer, lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il se couche, et ensuite le brûler dans le dos, ça me rappelle un petit peu le... même carrément le boss de Cry of Fear, celui avec la tronçonneuse où pareil, il fallait lui tirer dans la gueule, jusqu'à ce qu'il s'accroupisse, et après, il fallait lui donner des coups de couteau dans le dos. Sauf que là, on n'a pas de couteau. Donc on y va au trancheur, c'est pareil, ça tranche, vous me direz. Seconde session de Dead Space, là, franchement, j'ai pas grand-chose à redire, l'ambiance est vraiment excellente. Le jeu est assez linéaire, c'est vrai, il y a... Je sais pas... Il y a quelque chose qui me gêne dans le jeu, mais je sais pas trop quoi. J'ai l'impression que... Ça a quelque chose à voir avec l'ambiance. Il y a quelque chose au niveau de l'ambiance qui me gêne.
Mais je ne saurais pas trop quoi vous dire, je pense que je vais réfléchir, puis peut-être que je vous redirai ça une prochaine fois. En tout cas là, vraiment très bon jeu, j'ai bien les miquettes, désolé si j'avance lentement, hein, mais encore une fois, je le redis encore et une fois, hein. Ça coûte rien de le dire encore, mais j'ai trop les miquettes, voilà, j'ai trop les foies, je me chie dessus complètement quand je joue à ce jeu-là, c'est pour ça que je suis super lent. Et non, c'est pas mal, parce que c'est un type de peur que j'avais pas vraiment ressenti dans un jeu avant. Même dans Projet Zero, même s'il y avait des jumpscares un peu dans le même genre, c'était pas pareil. Et là, c'est vraiment autre chose. Je pense que c'est... le type de peur, je pense, c'est le même que sur Projet Zero, sauf que l'univers est quand même largement plus gore. On rentre vraiment dans du gore, dans des monstres qui sont totalement difformes. Complètement, voilà, c'est un peu cette humanité complètement transformée, déformée, et c'est très crade. Et je pense que c'est ça qui fait que, bah, que je ressens pas la chose de la même manière que sur un autre jeu. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu, d'ailleurs. Donc, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette session sur Dead Space. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut !